Coucou à tous, c'est Cream, on se retrouve pour le 3e épisode de l'Apocalypse Challenge. Donc on avait laissé Angelo en pleine conversation avec les gens du quartier en se disant que la petite rouquine là-bas pourrait peut-être faire l'affaire si je ne trouvais pas le PNJ que je voulais. Entre temps j'ai vu passer une blonde, j'ai cru qu'il y avait moyen de moyenner, mais en fait très moyennement. Donc du coup je vais tenter encore un peu de converser, et puis si d'ici demain vraiment on voit que le PNJ que je veux... Je vais me laisser tout le week-end, voilà, il est en repos ce week-end, donc ça va lui laisser un petit peu le temps de trouver la personne. Si vraiment je ne la croise pas, et ben ce sera tant pis pour elle. On en choisira une autre. Alors on va essayer de lui faire monter son charisme pour la prochaine promo. J'aimerais qu'on soit au niveau 3, on va essayer... Bon, il a fini par se retrouver tout seul, donc je pense qu'on va rentrer à la maison. Et puis on reviendra plus tard pour chercher la PNJ que je veux, quoi. Bon, on va en profiter, on va faire monter son divertissement, ça laissera peut-être le temps au PNJ de se renouveler un peu. Et on repartira un peu plus tard dans la soirée en ville. Allez, il est temps de retourner un petit peu en ville. Je regarde un qui est dans le coin, ou sinon les autres, quoi, parce que... alors là, les mecs du FBI en bleu et vert... Eh ben écoutez, on va monter notre compétence un peu de charisme avec elle, parce que clairement c'est décidé, si demain soir j'ai pas la PNJ que je veux, c'est elle que je prends. Oui, oui, oui mademoiselle, vous avez gagné une vie entière de privation, de galères, de plantes qui poussent dans les éviers, tout ça, tout ça. On va être sympa avec elle. Oui, alors là, je suis malheureuse. Le challenge, bien sûr, m'interdit de regarder les nuages. Donc, je suis embêtée. Mais c'est pas grave, on peut parler de plein de choses. Tu pourrais t'en aller, Jolin Cruste, là. Alors, j'aimerais bien connaître ses traits aussi, quand même. Si elle est réticente aux enfants, réticente à s'engager... Et froide, c'est sûr, ça va devenir compliqué. Elle est égocentrique, c'est bien. Je sais pas exactement comment ce trait... influe sur la vie des Sims vu que il est assez récent. Donc j'espère que c'est pas trop galère, et j'espère que quand elle est pas bien en scientifique, elle est pas bien comme un sac, parce que j'ai pas le droit d'aller modifier la tenue. Allez, on va demander de passer du temps ensemble. Ouh, elle est enjôleuse, c'est très bien ça. Et elle m'a mis un vent par la main, très bien, mais non. Je voudrais vraiment qu'on soit amis, histoire que tu viennes taper à ma porte de temps en temps. Et vous allez voir que si je décide de la faire emménager, le lendemain, je vais tomber sur le PNJ que je voulais. J'en suis sûre. Sûre, mais alors à 200%, quoi. Bon, c'est pas mal, ça a l'air de marcher entre eux, en tout cas. Écoutez, on va se la garder sous le coude, quand même. On va essayer de monter un maximum. On va pas la faire emménager ce soir, on va se laisser jusqu'à demain, comme j'avais dit. Mais par contre, on va essayer quand même de monter un maximum leur relation, histoire qu'elle vienne d'elle-même à la maison. J'ai pas le droit de l'appeler, moi. Pourquoi il n'y a que l'amicale qui monte, alors qu'elle est clairement enjôleuse, qu'on a une conversation fort agréable? Non, non, elle est pas mal, elle est pas mal. C'est bien, c'est un bon plan. Allez, hop. Non, il faudrait vraiment qu'on monte plus la relation amicale. On vient de se faire écraser par une camionnette. Tout est normal. Ah, j'ai vu. Attention. Premier baiser... échanger. Non, non, viens, on a dit un premier baiser. Pourquoi on peut plus? Oh, j'ai trop attendu. On va tenter de s'enlacer. Mais c'est une histoire qui roule, ça. C'est dommage qu'elle est adulte, hein, je vous le dis. Premier baiser. Allons-y, c'est romantique, un premier baiser dans une ville de zombies, dis donc. Bon allez, voilà, avec ça, si elle passe pas à la maison, je sais plus quoi faire. Ça nous laissera le temps de voir si on veut partir sur autre chose ou pas. Et sur cette bonne note là, nous allons rentrer à la maison. Je lui dis au revoir et tu rentres. Oui bon, soule un petit patin avant de partir, c'est la base quand même, hein. Allez, on va le retrouver tout de suite à la maison. Bon allez, maintenant qu'on a bien socialisé et que du coup on s'est trouvé un plan bis au cas où, ce qui est rassurant, on va pouvoir un peu s'occuper de lui. Et on peut donc en griller. Bah mon gars, t'as de la chance toi, 2 jours, 2 fruits frais, t'en sors vachement bien. Donc demain, dernier carat pour trouver le PNJ que je voudrais. Si je n'y arrive pas, bah... tant pis. Ce sera la demoiselle blonde dont je ne connais même pas le prénom. Oh, une plante. Alors on va pas la nettoyer tout de suite parce que j'ai comme l'impression qu'elle va revenir demain matin. Ah, il est 4 h du matin quand même. Bon, faut aller dormir là si on veut partir à la chasse au PNJ demain. Bah mange hein, maintenant qu'on a fait des... Maintenant qu'on a fait des fruits frais et au dodo. Ça va être une petite nuit, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et donc du coup on est dimanche, je vais... Dès qu'il sera réveillé, j'irai voir si on peut se prendre un petit ordinateur ou pas. Allez, ça suffit. Il est 9 h du matin, il fait beau, les oiseaux chantent. Nous allons donc partir à la recherche de la PNJ mystère. Comme tous les jours, depuis une semaine de challenge déjà. Ah voilà, il n'y a plus un seul PNJ. Ils sont tous en vacances les gars. C'est devenu n'importe quoi. C'est dimanche, c'est jour du Seigneur. Ils sont tous à l'église. Marc, tu m'étonnes. Vu la tronche qu'ils ont, moi aussi je tenterai tout. Hein. Toujours pas, c'est pénible quand même. Hein. Bon, du coup, on va essayer de se trouver, mais j'ai plus un seul PNJ qui est là. C'est quand même ouf. Ah bah tiens, il y a Marina qui passe, ça tombe bien. À discuter avec elle. Je sens qu'on va finir avec Marina, je sais pas quoi. Lui, ça fait 200 fois on le voit, tu vois. Il est vilain, il sert à rien, on le croise tout le temps. Non, on va pas faire crac-crac, de toute façon on n'a pas le droit. Ah puis l'autre, elle s'est barrée, elle m'a laissée seule comme une grosse merde. On va aller parler à toi, là, je sais pas comment tu t'appelles. Blanche-Neige, là. Ah, Soussou. Tu fréquentes Blanche-Neige, t'as un micro sur toi. Et c'est pas moi qui l'ai mis. Lui aussi, ça fait 2 jours qu'on le croise, là. Bon, allez, on rentre à la maison. On rentre. Bon bah de toutes les façons je pense que ça va être la fin, ça va être sur cet échec cuisant. Je pense même pas que ce soit un échec, je pense que c'est... c'est carrément une blague. C'est une conspiration, c'est le jeu qui se rebelle, je ne sais pas. Donc bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui et puis on espère avoir plus de chance dans l'épisode numéro 4. On va peut-être finir par y arriver. Voilà, bon bah écoutez, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que cette série vous plaît. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et puis on se retrouve très vite les amis. Ciao tout le monde!